Bonjour mes collègues, aujourd'hui notre vidéo ça sera sur la production écrite et ça sera à la maison comme vous voyez, je suis chez moi. Alors, comment faire la production écrite pour la cinquième AP, c'est-à-dire comment rédiger une production écrite de la cinquième AP. On sait que la production écrite projet 1 pour la cinquième AP, c'est la description d'un animal. Très bien. Alors, normalement, en classe, vous avez fait la gazelle, vous avez fait quelques animaux. C'est clair. Et il faut diversifier un petit peu les animaux. Comme ça, l'élève aura une idée générale sur la description des animaux. Alors, aujourd'hui, il y a un point que je veux éclaircir. C'est quoi ce point? C'est la différence entre la présentation et la description. Parce que j'ai remarqué que quelques enseignants ne font pas la différence entre description et présentation. Alors, il y a des enseignants qui, pour la description écrite, ils donnent aux élèves, par exemple, la gazelle est un animal sauvage, elle vit dans le désert, elle se nourrit d'herbes, c'est un animal délicat, j'aime la gazelle, et c'est tout. Ça, ce n'est pas une description, ce n'est pas un texte descriptif. Cela, c'est la présentation d'un animal et ça, c'est l'ancien programme. Dans l'ancien programme, on avait la présentation d'un animal et non pas la description d'un animal. Pour l'année passée et cette année, pour le nouveau programme, c'est la description, ce n'est pas la présentation. Et la description englobe la présentation. Pour avoir un texte bien rédigé et bien fini, on commence par, ça n'empêche pas qu'on commence par la présentation. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Alors, au début, on doit commencer d'abord par la gazelle, tout simplement. C'est le thème de la séquence. Bon, on a ici cet homme. Cette image qui circule dans les réseaux sociaux. Bon, elle est bien, regardez, on a la gazelle, les membres du corps de la gazelle. Ça, c'est pour la description systématique, c'est-à-dire, là, on est en train de décrire, de nommer les membres du corps seulement. Ensuite, cela, ça va aider les élèves à rédiger. C'est clair, ce n'est pas ça, ce n'est pas un texte. Ça, c'est une image, c'est nommer les membre du corps de la gazelle, ce n'est pas le texte. On a aussi ça, les différents animaux ici. On a l'oiseau, on a le cheval, on a le poisson, on a le chat. Ça aide les élèves, par exemple, à se substituer les animaux. Par exemple, il y a des animaux qui ont en commun des membres du corps, par exemple le chat et le chien. Même au régime alimentaire, ils se ressemblent. L'oiseau avec le canari, avec le perroquet. Bon, le cheval avec le zèbre. Le poisson avec le requin. C'est clair. Ado, ils ont en commun des points communs avec d'autres animaux. C'est-à-dire le fait que l'élève va maîtriser la description des quatre animaux, alors il va maîtriser la description d'autres animaux qui sont en commun avec qui ressemblent à ces animaux. Alors, maintenant, on va passer à la gazelle. Bon, pour la gazelle, on a dit pour la gazelle, comme tout le monde le sait, voici les membres du corps. On peut les nommer. Ensuite, comment on va rédiger? Ça, c'est ça la description. Ça, c'est la description. C'est clair, c'est ça la description, mais en texte. On rédige en texte, pas comme ça. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir un texte. Il faut savoir. Bon, alors, même cette vidéo, elle est adressée aux parents d'élèves, les parents de mes élèves surtout. Alors, même Hadil, je vais essayer de parler un petit peu en arabe pour qu'ils comprennent. La description d'un animal. Surtout, bon, on va faire la gazelle. C'est essentiel, il faut apprendre à l'élève avant de rédiger un texte, il faut d'abord donner le titre, c'est essentiel. Le titre d'un texte,
Avant de commencer la rédaction, il faut d'abord qu'elle mette un titre à son texte. De quoi je vais parler? Il doit savoir de quoi je parle. De quoi je parle, c'est-à-dire le thème de mon texte, et je vais mettre le titre. De quoi je vais parler? Mon thème, c'est quoi? C'est la gazelle. Alors, je vais écrire la gazelle et je m'excuse pour mon écriture. Vous reconnaissez mon écriture, elle n'est pas vraiment à la hauteur. Bon, là. La gazelle. Voilà, et je souligne mon. Et je souligne. On commence avec le titre qui est la gazelle, c'est-à-dire le thème de ma production. C'est quoi? C'est la gazelle. Ensuite, pour commencer la rédaction, je dois demander aux élèves, لازم quel est le sujet de mon texte? Je le sujet اللي راح Mon sujet, ils vont dire, mon sujet, c'est la gazelle. Et il faut insister sur le fait que l'élève doit commencer par majuscule. Alors, j'écris la gazelle. Voilà. Ensuite, je demande à mes élèves, c'est quoi la gazelle? La gazelle, est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est une chose? Ou est-ce que c'est un animal? Les élèves vont dire la gazelle est un animal. Ici, la phrase, elle n'est pas complète. Hein? On n'a pas encore terminé la phrase. Alors, je demande encore aux élèves, la gazelle est un animal. Quel genre d'animal? C'est un animal domestique ou sauvage? Ils vont dire, c'est un animal sauvage. Lorsque je termine ma phrase, je mets un point. Ensuite, je reprends ma rédaction et je commence ma deuxième phrase. Lorsque je vais commencer ma deuxième phrase, je me l'éteigne. Je ne vais pas commencer par la gazelle. Là, ça sera une répétition. Alors, je vais dire aux élèves, encore une fois, mon thème, ou là, mon sujet, c'est quoi? Ils vont dire la gazelle. Par quoi je peux remplacer la gazelle? Par quel pronom je peux remplacer la gazelle? Parce que هذو les points, هذو هما اللي l'examen final, l'emploi de la troisième personne du singulier. Alors, par quoi je peux remplacer la gazelle? Par quel pronom personnel? Bon, la gazelle, c'est un nom féminin. Alors, je vais remplacer la gazelle par elle. Elle. Maintenant, où vit-elle? Où vit la gazelle? La gazelle vit dans le désert. Ça, c'est la deuxième phrase. Ensuite, je vais leur demander de quoi se nourrit la gazelle. Et ils vont mieux employer le verbe se nourrir mieux que le verbe manger. Bon, il y a des gens qui vont me dire pourquoi, comment l'élève va employer le verbe se nourrir sans qu'il ait appris les verbes du deuxième groupe. Bon, pour moi, mes élèves, je leur ai fait les verbes du deuxième groupe. Mais l'élève va écrire par habitude. On va l'habituer à écrire avec se nourrir. Même se nourrir les verbes du deuxième groupe. Nous savons que comme enseignants, il est difficile pour l'élève de cinquième année. Mais l'élève ne va pas le par habitude, c'est-à-dire qui s'aiment à chaque fois, ils chauffent le tableau à chaque fois. Il faut habituer les élèves à utiliser le verbe se nourrir. ولازم يفهموا المعنى نتاعو ولازم يمبلويوه هما ما يحتاجوش يمبلويوه مع تو لي برونون بيرسونيل يحتاجوا يمبلويوه مع الإل والآن سي تو الوغ راح يعرفوا لو فيرب سو نوغيغ جو لو كونجوغ سو نوغي افيك إل والآن باسكو هذه هي راح هما راح يستعملوا غير في لا برودكسيون إكريت سي كلار الوغ C'est-à-dire par l'habitude ou par l'application, c'est-à-dire à chaque fois. Il chauffe l'écriture, se nourrir. Lorsque vous parlez, vous utilisez le verbe se nourrir, mais le verbe manger, c'est mieux. C'est clair. Alors, elle vit dans le désert, elle se nourrit. La troisième phrase, il faut expliquer aussi aux élèves qu'il ne faut pas écrire la gazelle, il faut toujours employer le pronom personnel elle. Elle se nourrit
d'herbe. Ici, tout ça, c'est la présentation. Jusqu'à maintenant, on est seulement dans la présentation. On n'a pas encore abouti à la description. Bon, il y a des enseignants, bon, madame, bon, c'est long, l'oulad, ma yarfouj. Alèche, ma yarfouj. Alèche, hna ouj dorna, hna lesem n'enalmoum. Ah ouais, l'élève, c'est-à-dire 5e année, lesem yiksib taz jumal, l'ou rab'a ou kemmel. Et si possible, yiksib akthar, alèche là. Ana, je fais de mon mieux. Hez, ana, n'a'tihim le modèle. Ou houma, ou fahamhom. يكتبوا واش يقدروا يهزوا واش يقدروا سي كلير انا مزيلاب هكا نفهمهم الو اون تيرمين ابري اون با بارلي ان بيتي بو سور سا اسونوري ديرب سي ان انيمال اربيفور بوين او اون بو امبلويي لو فيمينا اون با دير سي اون بيت اربيفور سي كلير ميتنون اون با كومونسي لا ديسكريبسيون فو فويي اون ا تروا فراز سور لا بريزونطاسيون سا سي لا بريزونطاسيون سو ني با لا ديسكريبسيون هذه C'est clair qu'on soit clair. Ce n'est pas la description. Parce qu'il y a des enseignants, les élèves diront le mahdi, ils boivent la description. Non, ce n'est pas une description. Ça, c'est la présentation de l'animal. Maintenant, on va commencer la description. Soit on va dire la gazelle, parce qu'on a un autre drongolo, la gazelle, parce que le sujet, il est loin. On a déjà employé plusieurs fois le L. On peut dire la gazelle A ou l'ankemlo LA. Puisqu'on est là dans la description, il faut apprendre aux élèves lorsqu'on va commencer à décrire un animal, c'est-à-dire donner ses membres du corps, c'est-à-dire on va donner ce qui lui appartient, c'est-à-dire la possession. Et là, on va employer le verbe de la possession. Où est le verbe de la possession? Où est le verbe avoir? لازم le début ha les قرار الاولاد verb être ou le verbe avoir فهمهم باللي être هو تاع l'état ou avoir هو تاع la possession باش هنا كي جو ديروا la description c'est-à-dire quelque chose qu'il a puisque هكا رانا حنا هنا هذه les informations هذو ce sont des informations هذو نقدروا نديروهم بلا ما تكون la gazelle قدامنا c'est clair mais ce qui va venir on doit avoir la photo de la gazelle devant nous اصلا في la consigne واش يقول لك à partir d'une photo d'un animal. Vous allez écrire un texte descriptif. Alors, à partir de la photo, elle est devant l'élève et il va décrire. Elle a. Elle a quatre pattes. Et on doit insister que l'élève doit investir les leçons de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe et tout ça dans la production écrite. C'est ça la production écrite. C'est clair. Il y a la production écrite. Et nous, l'élève, comme ils disent les élèves, ils vont voir la production écrite. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu les adjectifs cardinaux. Le verbe être, voilà. Le verbe avoir. Le verbe se nourrir, les verbes du premier groupe, si on peut dire, les adjectifs. C'est clair? Alors, elle a quatre pattes. Elle a deux cornes. Elle a une petite queue, a un museau. La gazelle, on termine notre production par une phrase. La gazelle, alors voilà, voilà la description. Bon, vous voyez combien de phrases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On sait que nous avons 6e, fait l'examen à la fin d'année, on demande aux élèves d'écrire un texte de 5 à 6 phrases. C'est clair. Au fait sixième, il reste voilà le nombre des phrases. Alors, il vaut mieux l'élève qui écrit 5 phrases. Qui écrit 5 phrases? Mais j'ai écrit les hado, la description, ou il a écrit les la présentation, ou il a écrit une description. Anna, je préfère aussi écrit les. La gazelle est un animal sauvage. Elle se nourrit d'herbes. On va dérouler la description. Parce que c'est un texte descriptif, mais un texte de présentation.
مي حنا رانا في لا ديسكريبسيون نوصفها واش فيها لا غازيل سي كلير. الو هادو لي زانفورماسيون هادو هنا لي تروا فراز الاولين يقدر ليلاب يهز منهم غير فراز وحده لا بروميير لا غازيل اي ان انيمال سوفاج تادي يقدم فيها لا غازيل ومن بعد il va la décrire. هذا هو ليسونسييل ا بارتير ديسي. هذا هو ليسونسييل. هذه هي لا بريزونط لا ديسكريبسيون. Bon, comme ça, on aboutit à la fin de notre vidéo. J'espère que mon explication a été bien claire et bénéfique pour tout le monde, les enseignants ainsi que les parents d'élèves. À la prochaine, Inch'Allah. Et pour les enseignants qui m'ont demandé la compréhension de l'écrit, bon, je l'ai déjà fait hein, avec mes élèves, mais je vais essayer de consacrer une séance où on va faire comme vidéo, on va faire comme aucun problème, surtout les enseignants qui ont une confirmation, je suis à votre service. Merci pour votre attention, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, au revoir.